Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler du bois de cerf, un matériau que j'apprécie particulièrement en matière de coutellerie. Le bois de cerf est un matériau naturel, idéal pour une utilisation en communion avec la nature, et également lorsqu'il s'agit d'avoir une approche historique de l'utilisation coutelière. Le bois de cerf est un matériau utilisé depuis très longtemps pour constituer les manches des couteaux. Donc, l'utiliser, c'est en quelque sorte perpétuer la tradition coutelière. Le bois de cerf est un matériau très solide, peu susceptible de se briser en cas de choc et qui résiste très bien à l'humidité. Il nécessite très peu d'entretien. Le bois de cerf est un matériau très intéressant sur le plan esthétique, qui présente des motifs variés, plus ou moins marqués, et qui permet, même avec des manches de dimensions identiques, d'avoir des motifs très différents. Enfin, sur le plan ergonomique, le bois de cerf permet une bonne préhension du couteau, même avec des mains mouillées, grâce à sa surface texturée et non lisse. Donc, je vais rapidement vous montrer les couteaux en bois de cerf que je possède, aussi bien des couteaux fixes que des couteaux pliants. Ici, nous avons un couteau fixe de Laurent Gaillard avec un manche en montage en soie traversante. Donc, très joli motif pour ce bois de cerf. Ce couteau est un Randall des années 60, également en montage en soie traversante. Ici, le bois de cerf a été taillé pour une meilleure ergonomie. Très belle pièce. À nouveau, un couteau de Laurent Gaillard en montage en soie traversante. Là, nous avons un manche au motif très marqué. Donc, Laurent Gaillard utilise énormément le bois de cerf pour ses couteaux, aussi bien fixes que pliants, on va le voir. Ici, nous avons un petit couteau fixe de Christophe Mignon, monté en plate semelle, avec de très belles plaquettes. Au niveau des pliants, un petit slip joint confectionné par Tim Britton, donc des plaquettes très texturé pour un couteau au look très américain. Dans un style pas si éloigné que ça, nous avons un canif de Laurent Gaillard, donc avec des plaquettes en bois de cerf au motif assez peu marqué. Au contraire de ce petit aspic qui présente pour le coup un motif très marqué, à peu près identique sur chaque face. Voici pour ces couteaux utilisant du bois de cerf dans la construction. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt.